Donc on voit bien sur ce rapport qui ce sont plusieurs éléments qui font qu'aujourd'hui ce lycée perd des effectifs importants. On l'a dit, donc transfert de population. Je sais que l'APC nous a souvent alerté là-dessus. Il le constate dans de nombreuses écoles du centre-ville. Il y a un déplacement de population vers l'extérieur et c'est vrai que lorsque ces élèves retournent ensuite plus grands au lycée, ils vont vers le plus proche, qui est très souvent le lycée Laetitia. Donc, problème de transfert de population, problème de notoriété. Les classes préparatoires du lycée Laetitia sont excellentes. On obtient d'excellents résultats des jeunes qui viennent de toute la Corse aussi, hein, mais aussi de jeunes qui ont fait tout leur cursus au lycée Laetitia. Et évidemment, les parents préfèrent, dans ces cas-là, aller vers des lycées d'excellence, parce qu'aujourd'hui, les classes préparatoires du Laetitia donnent des résultats qui permettent à des enfants de rentrer dans les plus grandes écoles de France, hein, il faut le savoir, donc notamment au niveau des écoles d'ingénieurs, etc. etc. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi, et il faut aussi que l'établissement se remette en cause. Ça relève aussi du projet intrinsèque d'établissement. Il ne peut pas y avoir que des éléments extérieurs. Il y a aussi des éléments qui sont propres à l'établissement. Il y a un dynamisme à retrouver. Il y a peut-être quelque chose à changer dans l'établissement. Et pas seulement que les locaux, hein, ça fait partie aussi du sujet, mais pas seulement. Et je crois aussi qu'il y a un élément sociologique dont on doit tenir compte. On doit envisager aussi la mixité de population. C'est quelque chose qui est prégnant au lycée Laetitia. Il faut qu'on réfléchisse à ça, pas seulement sur ce lycée. C'est valable aussi pour d'autres écoles et d'autres. Mais réfléchissons aussi à la mixité de population. C'est important. Il faut que cette mixité soit naturelle et importante. On est en train aussi, là, de vivre presque une classification des populations. Il faut éviter ça. Donc, il y a un travail important à faire qui relève de l'aspect de la commune, je dirais, hein, du travail de la commune, du travail de l'académie et aussi une part qui nous incombe, bien sûr.